Coucou les garçons. Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Et mes copains et copines, oui, ça va bien aussi. Oui, on espère que tout le monde va bien. J'aurais peut-être dû dire comment ça va ce soir. Oui. Comme vous pouvez le constater, il fait un petit peu nuit quand même. Ouais. Hein, on est où? On est en voiture. Oui. En effet, on roule. Oui. Et on va où alors? On va à une destination surprise. Ah, est-ce que vous savez où on va? Bah oui, oui, on sait. Oui. Oui, vous savez effectivement. Au moment où on tourne cette vidéo, nous sommes vendredi soir. Oui. Donc nous partons pour le week-end. Et un petit indice, on a 5 heures de route. Oui, effectivement. Un bel indice quand même, hein. Alors comment ça se fait qu'on part un vendredi soir pour faire 5 heures de route? On va rencontrer quelqu'un d'assez spécial. Ah, effectivement. On a été contacté et invité par une personne spéciale. Ah, on donne pas les indices tout de suite. Attends. Swan, il a trop envie de partager la nouvelle avec vous. Non, on vous donne pas tout de suite les indices. On va voir si vous devinez. En tout cas, là, on est parti. Effectivement, 5 heures de trajet. Ouais. Ça va être long, hein. Oui. Ah, mais ça va, on va faire des petits jeux, on va s'occuper. Tranquille. Et puis en arrivant, ça sera l'hôtel. Et notre rencontre a lieu demain. Oui. Demain samedi. Alors cette personne mystère que nous allons rencontrer nous a contacté début janvier. Alors comme vous le savez, Swan et Néo vont à l'école et au collège. Du coup, le temps de trouver un week-end de libre, bah, ça a pris un petit peu de temps. C'est pour ça que nous partons seulement maintenant. Et donc au moment où on tourne la vidéo, nous sommes le 8 février. Et là, c'est le grand départ. Et comme vous disiez les garçons, 5 heures de route, on est motivés. C'est parti pour la route. Allez. On vous a proposé d'essayer de deviner sur Instagram notre destination surprise et vous êtes super nombreux à participer, c'est trop génial. Alors, est-ce que vous trouvez, c'est un endroit où vous êtes déjà allé? Et non, c'est la première fois. Est-ce que c'est dans un autre pays? Non, on reste en France. Est-ce que c'est à la montagne? Non plus. À chaque fois, on a plein de messages adorables, c'est trop génial. Oh, aucune question, juste pour nous dire qu'on nous adore, c'est trop mimi. Est-ce que c'est Disney? Non, pas cette fois-ci. Est-ce que c'est Europa Park? Non plus, mais au niveau du temps de trajet, ça aurait pu. Est-ce qu'on part en Corse? Non, malheureusement non. Trop mignon, encore des messages adorables, c'est trop sympa. Un joyeux anniversaire qu'on fête au passage, du coup, voilà. Est-ce que c'est le Futuroscope? Non plus. Et là, on vous donne un super indice. Ce n'est pas un parc d'attractions. Et on nous propose les Pyrénées. Et là, on vous dit, ah, vous commencez à chauffer. On s'arrête quelques minutes sur une aire d'autoroute pour se ravitailler. Voilà, on a super faim. Et là, on va vous donner un énorme indice. Vous allez voir, avec le nom de l'aire d'autoroute, vous saurez déjà où on se situe. Le dernier arrivé ne mange pas. On se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Voilà, je crois que là, l'indice est quand même assez important, hein. Pour celles et ceux qui sont de la région, vous devez déjà commencer à comprendre où on va. Voici mon choix, saucisson au poulet et chips nature. C'est très équilibré quand on est sur l'autoroute, hein. Parfait. Et toi, Néo? C'est quoi ce choix? Bon, pour l'instant, c'est un manga, hein. Ça ne se mange pas, hein. Non. Les enfants, ça y est, on est presque arrivés. Ça va? Oui. 5 heures de route quand même, hein. Ouais, là, ça... On va pas être fâché d'arriver à l'hôtel, hein. Oui. Et de se glisser sous les draps parce qu'il est bien tard. Ça va être tout le monde dodo. Et voilà, nous sommes arrivés. Donc là, il y a encore plein d'indices, évidemment. Des panneaux, des bâtiments. Je pense que vous pouvez situer dans quelle ville nous sommes. Et là, nous cherchons l'hôtel. On vient d'arriver dans l'hôtel. Et regardez les jolis messages. Et je crois qu'on va être super bien ici. Parce que... Ouais. Carpe diem. Carpe diem, petit cœur, ça veut dire profite du jour présent. Et regarde, be happy. Ah, on est exactement où il fallait. Parfait pour nous. On vient d'arriver à l'hôtel. Et visiblement, Swan n'est pas complètement fatigué. Parce que sa première volonté en arrivant, c'est d'écrire sur son journal le résumé du voyage. Petit crapaud. Trop mignon. Bon, il est temps d'aller au lit, non? Ouais. Oui. Je vois que vous êtes déjà installé. Voilà. Allez, tout le monde au lit. Même si demain c'est grasse matinée, il faut être en forme. Parce que demain, vous avez un après-midi bien rempli. Bonne nuit les garçons. À demain.
demain pour une super journée. Je crois que Néo dort déjà. Allez, bonne nuit. À demain, dormez bien. Ah, les garçons, vous avez l'air plus réveillés qu'hier soir, hein? Oui, on s'est bien reposé. Oui, c'est la grande forme. Alors, les copains et les copines, on ne vous a pas fait de plan ce matin parce qu'il y avait une marmotte là. Non, celle-ci de marmotte. Et c'est à midi, il paraît. Oui, c'est ça. À midi, marmotte Néo. Donc forcément, la matinée était bien entamée. On va dire ça comme ça. Alors, comparativement à la personne qu'on va rencontrer, qui s'est levée entre 5 et 6 heures ce matin, hein, Néo? Oui. Je crois que cette rencontre va te faire le plus grand bien. Ça va t'inspirer, te motiver, hein? Prends-en de la graine. Donc, soit la nuit, il est élevé vers 9h. Bon, on s'est couché bien tard hier soir, donc ça va, on va dire. Donc, le temps de se préparer, de manger, et nous voici en route pour l'ultime rencontre. Est-ce que vous êtes prêts? Prêts! En forme? Ouais. Oui. On a donné plein d'indices sur Instagram. Alors, on n'a pas donné d'indices sur la personne qu'on allait rencontrer, mais on a donné plein d'indices sur la ville dans laquelle on se situait, notamment sur mon compte Instagram aussi, Sophie_officiel. Je vous ai mis des plans du monument principal de cette ville. Alors, on va voir si vous avez deviné. Voici les indices que je vous ai mis sur Instagram. Regardez comme c'est joli. C'est vraiment magnifique. Je vous ai remis un plan juste après, voilà. Alors, est-ce que ça vous a aidé? Il y avait plein de réponses. Il y en a qui ont trouvé, effectivement. Hein. Il y en a plusieurs même qui ont trouvé où on allait. Et qui on allait rencontrer. Alors apparemment, il y a quelqu'un qui a reconnu la cathédrale. On a un message à Albi avec plein de points d'exclamation. Je vous adore. Oui, nous sommes bien à Albi. Mais pourquoi faire? Donc oui, on est à Albi. C'est une ville charmante, très très jolie. Mais pourquoi on vient tout le week-end à Albi? On vient pour faire un peu de tourisme certainement, mais pas seulement. Ah oui, une rencontre. Une rencontre, bien sûr. Alors, qui allons-nous rencontrer? Certains d'entre vous l'ont déjà deviné. Oui. Mais c'est encore une surprise. Encore un petit peu pour quelques minutes. Ça y est, on arrive, les garçons. Ouais. Ça va? Ouais. Alors. Je crois bien qu'il est énorme. Énorme? Oui, c'est là. C'est là, c'est là. C'est ça? Oui, regarde le logo. Regarde le logo sur le bâtiment. C'est super joli, hein? Ah oui! Il est là. Regarde, regarde, il est là. Il est réchauffé. Alors voilà, on vient d'arriver. Et en fait, pour l'instant, on a droit à une affiche. Voilà, c'est l'accueil, tout en simplicité. Et Swan, t'es venu pour quoi en fait? Pour jouer au baby-foot? Néon, c'est une petite partie. Tu as vu qu'il y avait des choses autour du baby-foot quand même? Oh, c'est cool, c'est plaisir. Bienvenue au temple. Merci. Temple. Oh, ça y est, on est arrivé. Regarde, Swan. Il est bien motivé. Donc voilà, petit temple, écoute, il a 2 ans maintenant. Donc c'est vrai que pour les gens qui connaissent pas trop, ça fait un peu instrument de torture. Ouais. Mais quand on connaît bien, quand on kiffe un peu là, tout ce qui est muscu crossfit, franchement, il y a de quoi s'amuser et passer un bon moment. C'est vrai que ça a l'air bien. Swan, il est déjà en action. Futur bodybuilder. Oui, faudrait qu'il prenne un petit peu de masse, comme tu dis. Hein. Ah, ouais, là c'est le repas, là c'est dans l'assiette que ça se passe. Ne te blesse pas. Attention, juste attention. Voilà, juste ne fais pas tomber sur les pieds, c'est tout ce qu'il faut. Oui, sinon l'après-midi va être un petit peu courte. Ouais, voilà. 16 kilos sur les pieds, ça réveille. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut, écoute, pour passer un bon petit moment ensemble. Ça va? En tout cas, ouais, merci d'avoir fait le chemin pour venir et tout, c'est top, hein. Avec plaisir. Avec plaisir, on est content d'être là. Avec plaisir, partagé en tout cas. Peut-être là où il devait être rangé, mais ce n'est pas rangé comme il devait être rangé. Donc ils vont regarder le 3 juste là. T'as le poids qui est juste là. C'est comme dans vos chambres, les garçons, hein. C'est rangé à peu près. C'est ouais, pareil. Tu connais ça, ma chambre c'est un bordel. Moi qui a Juju pour ranger un peu, sinon. Oh là là! C'est un vrai bordel. C'est cool! Yeah! Quelle puissance! Néo, il va prendre ses rêves pour des réalités. Il va se dire plus tard, j'aurai une Juju, elle remplacera ma mère, elle rangera ma chambre. T'es content ou quoi? Ouais. Ah, ça fait plaisir. Bon, ça y est, vous avez tous compris où nous étions, qui nous allions rencontrer. Voilà, Swan est là-bas avec lui. Bon, le suspense n'aura pas duré trop longtemps pour vous, je pense que c'est bon. Oh, il est super sympa ce portrait-là. Trop beau. Allez, c'est parti pour la souffrance. Allez Swan, garde de l'énergie parce qu'on va envoyer après. Hein. Voilà, là Thibaut il va te prendre en charge. T'en dépenses pas? Ben attends, t'inquiète pas. On va travailler dur, tu vas voir. Tu vas avoir des abdos sur la tête. Alors les garçons,
Est-ce que ça valait le coup de faire 5 heures de route hier soir? Bien sûr. Ça va quoi? Ça va, vous êtes content? Ouais. Oui. Très content. Ouais. Ça va Thibaut, tu vas les supporter? Oui, t'inquiète pas. Je vais m'occuper d'eux. Ils vont venir avec des abdos, ils vont tenir énorme et sec. Voilà. Ils vont bien dormir ce soir, on sera bien. Oh que oui. T'inquiète pas pour ça. Allez les gars. Ça va quoi? Oui. T'as la forme? Ils ont encore le sourire, ils sont mignons. Ouais, ça va. Ça va. Je vous mets des haltères aussi, je viens me tester ce truc. T'as kiffé ça là ou quoi? Tu veux le ramener dans la voiture? Oui, je veux bien. Okay. Enfin, je suis pas sûr que ça rentre dans la voiture, hein. Pas sûr, pas sûr. Et surtout, n'oubliez pas que vous, c'est les meilleurs. Boum! Voilà. Excellent.